Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Monsieur le président du Grand Conseil, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs les anciens élus cantonaux, Madame la présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les rectrices, recteurs et représentants des hautes écoles suisses, Madame l'ambassadrice honoraire à vie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats, chers collègues, membres du corps enseignant administratif et étudiantin, chers invités, chers amis, bienvenue à l'Université de Genève. À l'occasion de mon premier dies academicus en tant que recteur en octobre 2015, j'avais eu l'occasion de partager avec vous mes rêves et mes espoirs, ceux d'une université capable d'offrir à ses étudiantes et étudiants des conditions optimales à la réussite de leurs études, ceux d'une université qui garantisse la liberté académique, terreau le plus fertile de la créativité, ceux d'une université capable d'avoir un coup d'avance, qui sache prendre des risques dans un environnement incertain, mais riche en opportunités, ceux d'une université qui se réinvente sans cesse pour répondre aux défis que notre société, que nos sociétés doivent affronter, ceux d'une université capable d'inventer des nouvelles formes d'accès et de transmission des savoirs. Je n'imaginais évidemment pas que quelques années plus tard, nous traverserions une pandémie qui nous obligerait à rester chez nous, à garder nos distances pour nous protéger, mais surtout pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Je n'imaginais pas que notre institution avait cette capacité, en quelques jours à peine, à mobiliser autant d'énergie et d'inventivité pour assurer la continuité de l'enseignement à distance. Je n'imaginais pas que nos scientifiques deviendraient le centre d'attention du monde politique et médiatique, de la société en général, pour nous aider à trouver la voie la plus juste pour faire face à cette pandémie. Je n'imaginais pas qu'autant de personnes et de fondations se mobiliseraient pour soutenir nos étudiantes et nos étudiants dans cette période particulièrement difficile. La médaille de l'université, nous y reviendrons, est dédiée à toutes ces donatrices et tous ces donateurs qui ont été à nos côtés pour surmonter ce cap. Plus largement, alors que nous venons de faire notre première rentrée entre guillemets normale, laissez-moi remercier au nom de l'université toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour que nous puissions remplir nos missions d'enseignement, de recherche et de service à la cité. Et pour mettre en valeur ces trois missions, nous avons choisi de placer ce dies sous le thème du partage des savoirs. Ce n'est pas le partage du savoir au singulier, mais bel et bien le partage des savoirs. Il s'agit bel et bien d'un partage multidirectionnel fait de réciprocité. Car comme vous le savez, celui ou celle qui partage son savoir n'en perd pas une miette pour son propre usage, bien au contraire. Les savoirs s'enrichissent de cette circulation. L'enseignement est le premier véhicule des savoirs. Il est aussi la mission fondatrice de nos universités. Il a, je pense, davantage changé durant ces dernières années qu'au cours du dernier demi-siècle. Lorsque j'étais jeune professeur d'économie, il y a bien longtemps, au début des années 90, je m'étais vu confier la tâche de donner des cours d'économie qui s'adressaient à des personnes d'horizons très différents, de futurs juristes, de futurs politologues, sociologues, historiens et historiennes. Croyez-moi, cela a été l'une des expériences les plus riches et les plus formatrices de ma carrière. Cela m'avait obligé de questionner sans cesse le contenu de mon enseignement pour qu'il puisse rencontrer au mieux les besoins de la formation qu'il et elle avaient choisie. C'était d'une certaine façon une remise en cause d'une relation verticale entre celles et ceux qui sont supposés savoir et celles et ceux qui sont supposés ne pas savoir. Notre lauréat de la médaille Fields, le professeur Hugo Duménil-Copin, à qui nous donnerons la parole dans quelques instants, a régulièrement rappelé l'amour des mathématiciens et mathématiciennes pour le tableau noir. Pourquoi ? Parce que le tableau, l'avez-vous dit, c'est l'interaction. Le langage mathématique est un langage parlé et les mathématiciennes et mathématiciens ont besoin d'interagir tout en dessinant des formules sur l'ardoise. Et vous avez précisé que les étudiantes et étudiants vous aident aussi dans ces moments d'interaction en vous obligeant à poser un regard extérieur neuf sur la matière enseignée, souvent liée à des recherches en cours.
L'enseignement nourrit et se nourrit de la recherche. Il se nourrit aussi de l'altérité. Il nous faut rester ouverts, nous projeter hors de nos frontières. Au sens figuré, bien sûr, mais aussi au sens littéral, puisque nous venons d'entrer de pied plié dans l'alliance 4U+, avec les universités de Charles à Prague, d'Heidelberg, de Copenhague, de Milan, de Varsovie et de Sorbonne Université. Donnons corps au rêve des fondateurs d'une Europe fédérée, par le biais aussi de celles et ceux qui la feront demain, qui seront peut-être bientôt réunis sous la bannière d'un diplôme européen. Soyez certains, mesdames et messieurs, que le train européen est en route et qu'il n'attendra pas que notre pays ait résolu ses tourments politiques pour monter à bord. Un temps d'avance, un mot d'ordre que nous avons toujours porté au fronton de notre université. C'est ce qu'elle a fait déjà en 1872, en devenant la première université suisse avec Zurich à s'ouvrir aux étudiantes. Et oui, nous célébrons cette année les 150 ans de l'entrée des femmes à l'Université de Genève. Cette évidence ne l'est plus malheureusement aujourd'hui dans bien des régions du monde, plongée dans un obscurantisme qu'il nous faut combattre et dénoncer sans relâche. C'est aussi ce que notre université a su faire plus récemment en accueillant dans son programme Horizon académique des personnes réfugiées venues de Syrie, d'Irak ou plus récemment d'Ukraine, en leur proposant des cours de langue et des passerelles vers les filières de leur choix. Les médailles de l'innovation y reviendra. C'est ce que notre université a fait aussi avec les PFL en introduisant, aux côtés de ses titres habituels, le COS, un certificat d'études ouvert au public qui ne remplissent pas les critères habituels d'accès aux études universitaires. C'est finalement aussi ce que notre université a fait en proposant un titre de doctorat professionnel, forme de DBA, que seule notre université offre en Suisse. Notre enseignement, vous l'aurez compris, se frotte au monde, à la diversité, à l'inconnu. La recherche, notre deuxième mission, nourrit et se nourrit de l'enseignement, nous venons de le voir. Elle se nourrit, elle aussi, du monde qui nous entoure. Les découvertes les plus importantes, les innovations majeures, celles que l'on n'attend pas, celles que l'on n'anticipe pas, celles que l'on ne peut pas prévoir, celles qui bouleversent nos modes de pensée, sont souvent le résultat de recherches désintéressées, ouvertes sur l'inconnu et l'imprévu, nourries aussi par les erreurs. Là encore, elles sont le fruit du partage des savoirs et des réflexions des chercheurs du monde entier. Hugo Duminil-Copin lui-même a très judicieusement rappelé, il y a quelques semaines, à quel point l'erreur est partie intégrante de l'apprentissage. C'est peut-être la première qualité que les scientifiques doivent acquérir. Ne pas craindre l'erreur, en faire une alliée pour explorer de nouveaux territoires et faire progresser les connaissances. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette citation attribuée à Nelson Mandela dit la même chose avec d'autres mots. Avant de parvenir à des résultats probants, les scientifiques sont constamment appelés à réévaluer leurs résultats, à les corriger, à les soumettre au regard critique de leurs collègues. Enfin, la formation, tout comme la recherche, sont faites pour être communiquées, pour être partagées, et c'est notre troisième mission. La science, toutes les sciences, sont au service de la cité et doivent pour cela s'exprimer publiquement. Cela exige un certain courage. Il faut accepter de s'exposer, mais c'est un exercice indispensable. Nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'accueillir Barbara Hendricks, qui a mis sa voix au service de l'humanité, notamment à travers ses activités d'ambassadrice itinérante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Son rayonnement et son engagement sont source d'inspiration. Et je dois dire que je suis très optimiste à ce sujet. Lorsque j'observe les nouvelles générations de scientifiques, je vois des chercheuses, je vois des chercheurs qui ont envie de se faire entendre, qui ont envie d'avoir un impact, qui ont envie de contribuer à un changement en réponse aux défis scientifiques et sociétaux auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Que l'on me comprenne bien, je ne plaide pas en faveur d'une science utilitariste, mais d'une science responsable vis-à-vis de la collectivité qui nous soutient. Mesdames et messieurs, nous connaissons les multiples menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos démocraties. Nos sociétés sont traversées par des phénomènes de polarisation qui contribuent à la violence, à une restriction de la liberté de parole et à la manipulation d'opinion. Face à ces évolutions très préoccupantes, le partage des savoirs sera plus que jamais indispensable. Pour construire leur avenir,
Les démocraties ne peuvent pas se contenter d'une position défensive. Elles doivent se réinventer à tous les échelons de la société. Encourager les initiatives de participation citoyenne, sur lesquelles travaillent aussi les équipes de notre université. Ces évolutions constituent, j'en suis persuadé, un atout majeur pour renforcer les valeurs qui fondent notre collectivité. Une université ouverte, confiante en elle-même, en sa capacité à partager et à faire circuler les savoirs, aura un rôle crucial à jouer dans cette renaissance démocratique. C'est certain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Madame Annemarie Torra-Santa, conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Madame Torra-Santa, le public est à vous. Les salutations protocolaires ayant déjà été prononcées auparavant, je me permets de vous saluer, mesdames et messieurs, de manière succincte, en vos titres et fonctions, avec un salut tout à fait chaleureux, bien évidemment, pour la communauté universitaire genevoise. En préambule, à mon tour de m'associer à la joie de toute cette communauté universitaire pour l'attribution de la médaille Fields à M. Hugo Duminil-Copin, une médaille qui confirme l'excellence de nos chercheurs et la place de l'université dans le paysage international. Une place que vous contribuez à renforcer, cher Monsieur le Recteur, et je voudrais ici vous réitérer les remerciements du Conseil d'État pour le travail que vous effectuez avec votre équipe. Partager les savoirs. Voilà un idéal qui semble évident, à plus forte raison du point de vue d'institutions comme les hautes écoles ou le DIP. Qu'est-ce que l'école ? Qu'est-ce que l'université, sinon des institutions dédiées à la transmission et donc au partage des savoirs ? Le partage. Partage des données, partage des hypothèses, partage des protocoles de laboratoire, partage des théories et des arguments, est constitutif de la production des savoirs. C'est pourquoi la pratique solitaire de la science est au fond impossible. Sans communauté scientifique servant d'agora argumentative, sans confrontation des points de vue, sans conjecture publiquement exposée et ouverte à la réfutation des pairs, il n'y aurait aucun progrès scientifique. Le partage des savoirs n'est donc pas une cerise optionnelle sur le gâteau de la science. Il est au cœur même de l'enquête et de la recherche scientifique. Et il dépasse, bien évidemment, les frontières d'une université ou d'un pays. Car on le sait, les problématiques d'aujourd'hui sont globales. Une guerre qui éclate aux confins de l'Europe, c'est non seulement l'ordre mondial qui est déstabilisé, mais la récession et la crise énergétique qui touchent toute la planète. Une guerre qui éclate aux confins de l'Europe, c'est aussi, à des milliers de kilomètres, en Afrique, des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent de la faim. Face à ces enjeux globaux, le partage des savoirs est essentiel. C'est ce qu'a d'ailleurs a très bien illustré la crise du Covid. Une progression rapide des connaissances sur ce nouveau virus et plusieurs vaccins créés en l'espace de 2 ans, cela n'a été possible qu'au prix d'un formidable effort de partage des résultats de recherche à l'échelle mondiale, avec, par exemple, les données expérimentales stockées en libre accès sur un serveur de l'OMS. Ce qui nous amène à un premier enjeu d'importance, celui de l'accès aux résultats de la recherche, soit aux publications scientifiques contrôlées par les pairs. Un accès, on le sait, dont le principal obstacle tient au coût très élevé des abonnements des revues, que malheureusement, de nombreuses universités dans le monde n'ont pas les moyens de s'offrir. En ce sens, je me réjouis de savoir notre université engagée depuis de nombreuses années sur le projet d'archives ouvertes, projet qui vise précisément à encourager les chercheuses et les chercheurs de l'institution à publier leurs articles en libre accès. Il me faut maintenant aborder un deuxième enjeu auquel nos sociétés démocratiques sont confrontées. Aujourd'hui, nous avons toutes et tous, ou presque, une bibliothèque universelle dans la poche. Jamais donc l'accès au savoir n'aura été aussi large. Et pourtant, la rapidité avec laquelle l'information circule sur le web et sur les réseaux sociaux nous a propulsés dans le monde de la post-vérité et des faits alternatifs. Un monde où les faits objectifs ont moins d'influence sur le public que ceux qui font appel à l'émotion, aux croyances personnelles. Un monde où, à l'exception peut-être des médias audiovisuels de services publics, la presse opte malheureusement trop souvent pour le scoop qui fera vendre plutôt que pour l'analyse fouillée et contradictoire qui permettrait d'approcher la vérité.
Car oui, il existe bien une vérité énonçable, fondée sur des faits objectivables et vérifiables. Et c'est pourquoi les institutions du savoir, que sont les écoles et les hautes écoles, ont un rôle essentiel à jouer. Un rôle essentiel en partageant les savoirs, grâce à une démarche coopérative, fondée sur la transparence, la publicité des données, la discussion argumentée et le consensus. Un rôle essentiel afin de favoriser, pour parler comme Montaigne, les têtes bien flettes plutôt que les têtes bien pleines. Car partager les savoirs n'est pas la même chose que de vouloir les faire entrer quasiment de force dans les esprits. Si l'on veut vraiment lutter contre l'irrationnisme et l'obscurantisme contemporain, nos écoles et hautes écoles doivent donc diffuser l'art et l'éthique de la recherche partagée de la vérité comme de la confrontation des savoirs et des sources. Pour paraphraser le philosophe des médias Marshall McLuhan, le message, c'est la méthode. Ainsi, plus les méthodes d'analyse et de discussion rigoureuses enseignées dans nos écoles et hautes écoles seront répandues, moins les faits alternatifs auront de prise pour nous. Plus nous partagerons les savoirs, plus nous favoriserons la cohésion sociale et le vivre ensemble. Plus nous partagerons les savoirs, plus nous serons à même de répondre aux enjeux globaux d'aujourd'hui. Face à l'urgence climatique, face aux inégalités, face aux atteintes à la démocratie et aux défis posés par le développement du numérique, il est de la responsabilité de nos hautes écoles de contribuer à élaborer des solutions et à les partager. Car pour reprendre une formule attribuée à Socrate, le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Cher Monsieur le Recteur, je ne voudrais pas terminer cette intervention sans souligner combien durant vos deux mandats à la tête de notre université, vous vous êtes engagé dans ce sens, avec conviction et détermination. Avec toute l'équipe du rectorat, vous avez contribué à une université ouverte sur la cité, consciente des problèmes du monde, solidaire et inclusive. À l'heure où vous vivez votre dernier dièse comme recteur, je tiens à vous en remercier chaleureusement et à vous dire combien j'ai eu du plaisir à collaborer avec vous et avec votre équipe. Belle année académique à toutes et tous et merci de votre attention. Merci, Madame la conseillère d'État, pour votre présence très fidèle au cours de toutes ces cérémonies du Dies Academicus. Et à mon tour aussi de vous souhaiter une bonne fin de mandat au sein du Conseil d'État. Merci de votre présence. Sans plus tarder, je passe la parole en image au professeur Aurélien Roux, membre du bureau de l'Assemblée de l'Université, à l'étudiante de l'année, Madame Adèle Rakoto-Nirina, et à notre alumnus 2022, Monsieur Serge Michel. Bonjour à toutes et à tous. Notre communauté sort de deux années difficiles qui ont révélé certaines faiblesses, mais aussi les forces de notre université, à savoir la mise en place rapide de la numérisation de l'enseignement et de l'administration, et la grande générosité qui s'est exprimée parmi ses membres et qui est aujourd'hui célébrée par le Dies Academicus. Durant les 50 dernières années, le monde académique s'est hautement spécialisé, ce qui ne permet pas toujours l'approche multidisciplinaire nécessaire à la compréhension de notre monde dans sa complexité. Il est donc essentiel que l'université avance vers plus de partage des savoirs. La promotion de l'interdisciplinarité est au cœur de cet enjeu. Nos étudiantes, nos étudiants, nos chercheurs, nos chercheuses seront amenés à partager ces savoirs à travers des projets de recherche et d'enseignement croisés entre les facultés. Notre ambition est d'être capable de reconnaître l'importance de tous les membres de notre communauté, de leur offrir un environnement respectueux qui leur permette de s'épanouir et de participer à l'élaboration d'un avenir commun pour une université plus humaine. Au nom de tous les membres du bureau de l'Assemblée, je vous souhaite une excellente année 2022-2023. Bonjour à toutes et à tous, je suis arrivée à Genève en 2013 et j'y ai fait mes études en bachelor et en master en pharmacie. Je suis très reconnaissante envers l'Université de Genève de m'avoir donné accès à des études dans un cadre de renom et de m'épanouir dans ma quête du savoir. Je travaille sur une nouvelle forme de prise de transplants fécaux pour des patients et patientes qui sont atteints d'une infection grave et importante à l'hôpital et qui ne peuvent pas être soignés par des antibiotiques.
J'ai participé au concours Ma thèse en 180 secondes pour partager mon savoir et je continue à le faire aujourd'hui sous d'autres formats de communication. J'espère ainsi poursuivre la volonté de l'université à diffuser le savoir. Alumnus 2022, je me suis dit qu'ils avaient forcément regardé mes notes de licence en 95 pour me proposer ça. Elles étaient très bonnes, mais il faut avouer que pour le 6 sur 6 en administration publique, j'avais un peu triché. On devait préparer 8 questions sur un bouquin totalement incompréhensible, du style académique horrible. Il fallait souligner le verbe de chaque phrase pour tenter de comprendre, et encore, ça restait totalement hermétique. Alors, comme j'étais un peu journaliste, j'ai fait un truc de journaliste. J'ai appelé l'auteur, un Parisien, et je lui ai posé les 8 questions. Et là, le miracle, c'est qu'il était parfaitement clair à l'oral. À l'examen, j'ai répondu à la question tirée au sort. Le prof a fait une drôle de tête. Il m'en a posé une deuxième, puis une troisième, et puis il m'a proposé d'être son assistant l'année suivante. Lui aussi venait de comprendre le bouquin. Sauf que moi, je voulais faire du reportage. Nous autres journalistes n'avons pas la science, pas le savoir, mais nous sommes des ignares utiles, nous savons transmettre. Sauf qu'il y a peu de chercheurs qui nous appellent pour partager des idées ou des découvertes. N'ayez pas peur. Illuminer un crétin de journaliste et peut-être qu'une bougie va s'allumer chez une lectrice ou un lecteur. Expliquer et explorer le 21e siècle, telle est la mission du média qu'il cofonde en 2019, ID News. Une aventure qu'il mène sur différents thèmes sociétaux comme la science, la santé, le climat, l'innovation, sans oublier évidemment les relations entre la Suisse et l'Europe. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous appeler sur scène, monsieur Serge Michel, journaliste et rédacteur en chef chez ID News, pour vous remettre le titre d'Alumnus 2022 et vous remercier de ce regard très intéressant sur les études universitaires, mais aussi un rafraîchissement pour notre cérémonie du Yes. Merci beaucoup, monsieur Serge Michel. Avant d'ouvrir la partie réservée aux remises des prix et des médailles, je souhaite rendre hommage maintenant en images également à nos étudiantes et étudiants qui composent notre université. Nous sommes fiers de leur capacité à apprendre, leur capacité à relever les défis et à porter des projets pour un monde meilleur. Cities nowadays are threatened by climate change. We from the University of Geneva and students from the University of Patras have worked on the city of Athens to make it more climate adapted and to make it more resistant to future flooding events. Vous cherchez des solutions pour créer un monde meilleur. C'est pas un peu utopiste comme but aujourd'hui? Je pense que l'utopie, elle est nécessaire pour viser des buts qui nous font tous rêver, mais en fait qui se raccrochent à une réalité qu'on souhaite tous ensemble. Ensemble, on est les cofondatrices du projet de recherche OSE pour le développement de préservatifs en cellulose. On a vu que ça a fait pas mal d'enthousiasme, enfin, tout le monde est vraiment motivé par le projet maintenant. C'est à nous de travailler en laboratoire pour trouver, enfin, pour rendre ça réel. Je m'appelle Inanna et je suis une déesse extraordinaire sans nul autre pareil. Et oui, je suis une déesse guerrière, un terrible ouragan, hystérique au point que mon cri recouvre la terre d'un voile de terreur. Le fait de pouvoir combiner les relations internationales, le triathlon, la physique et le ski, c'est un accomplissement pour moi et un grand plaisir. Aujourd'hui, on se définit plus uniquement par ses études ou sa profession. C'est l'ensemble de nos passions qui permettent de nous accomplir.
On a choisi le théâtre pour son côté divertissant et sa capacité à transmettre des émotions et de la joie sur un sujet aussi sensible que le suicide. L'originalité de la pièce, c'est le fait que ça soit écrit par des jeunes et pour les jeunes. Durant la pandémie de Covid-19, il y a plus de 500 étudiants et étudiantes en médecine qui se sont mobilisés, d'une part pour aider les personnes âgées et d'autre part pour aider le personnel soignant, à la fois à l'hôpital et dans la garde de leurs enfants. Pourquoi c'est important? C'est pour ça que j'ai fait médecine, être utile à la société. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'étudiantes et étudiants ont fait médecine. Coming from my country, where women are not allowed to study, my wish would be that everyone could have access to education. Madame Marie Kondrat, je vous prie de me rejoindre sur scène. C'est un honneur pour moi de remettre le prix Latsis à Marie Kondrat, un prix conçu pour récompenser une chercheuse prometteuse, certes, mais qui a déjà montré les qualités d'une chercheuse d'exception. En tant que telle, a rempli un grand nombre de promesses. Vous êtes née, chère Marie Kondrat, en Ukraine. C'est à Kiev que vous avez obtenu votre diplôme de master en 2011. En 2012, on vous retrouve à Paris, où vous avez obtenu un master de l'Université de Paris 3. En 2013, un master recherche, toujours à Paris 3. En 2014, vous êtes à Pise. En 2015, vous êtes Visiting Fellow à Harvard, tout en finissant un parcours à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. En 2015, vous vous inscrivez en thèse à l'Université de Genève sous la direction du professeur Martin Rueff et à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle sous la direction de Tiphaine Samoyo. Cette thèse sera soutenue en juin 2021 devant un jury unanime à reconnaître vos mérites. Quel est le sujet de cette thèse? Quels sont vos mérites? Vous avez construit un objet théorique qui va s'imposer dans les études cinématographiques et littéraires, la notion de hors-champ. Qu'est-ce que le hors-champ? C'est ce qui n'est pas le champ, mais qui agit comme une force dans le champ. Le hors-champ, ce n'est donc pas seulement ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on devine, ce qu'on espère, ce qu'on craint. Des mains s'étreignent dans le champ, on pense au visage qu'on ne voit pas. Un soldat est dans le champ, il est seul. Si cette solitude inquiète, c'est parce que le hors-champ est animé par l'imminence du danger. Cette thèse a fait parler d'elle et vous a imposé comme une chercheuse de premier plan en théorie littéraire et littérature comparée. Ajoutons que vous parlez également plusieurs langues, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe. Mais, chère Marie Kondrat, vous n'êtes pas seulement une chercheuse d'exception, vous êtes également une enseignante, aimée et estimée. Vous avez enseigné pendant 3 années à la faculté des lettres, et les étudiantes et les étudiants vous vouent un culte secret, tant vos compétences et votre dévouement les impressionnaient. Vous aimez faire, créer, partager. Vous êtes une personnalité de premier plan. Vous incarnez la recherche de demain, une recherche exigeante qui ne transige pas avec les réquisites de la science, une recherche ouverte sur le monde et ses enjeux les plus dramatiques, une recherche généreuse et engagée. Vous êtes à la pointe des études de lettres. Et si la science construit le monde de demain, elle ne pourra pas le faire sans les lettres,
qui s'interroge sur son sens et son destin. Pour toutes ces raisons, chère Marie Kondrat, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner le prix Latsis. Merci beaucoup. Je souhaiterais remercier chaleureusement la Fondation Latsis pour cette distinction et toutes les personnes qui m'ont accompagnée et soutenue tout au long de mon parcours, en particulier Martin Rueff, Tiphaine Samoyot, Nathalie Pieguet, mes collègues de la Faculté de Lettres et bien sûr mes proches, mes amis et ma famille. Merci beaucoup. Dear Professor Eichengreen, please join us on stage. Cher professeur Eichengreen, veuillez me rejoindre sur scène. Tous les quatre ans, notre institut est appelé à désigner le lauréat du prix mondial Nessim Habif. Créé en 1963, ce prix honore des personnalités reconnues internationalement pour leur rayonnement scientifique et leur créativité. Aujourd'hui, nous souhaitons honorer le professeur Barry Eichengreen pour sa contribution exceptionnelle à notre compréhension des dynamiques monétaires, financières et économiques transnationales. Barry Eichengreen, vous êtes un économiste mondialement reconnu, professeur d'économie et de sciences politiques à Berkeley, où vous enseignez depuis 1987. Votre lecture du système monétaire et financier international, tant dans ses dynamiques historiques que contemporaines, nous donne aussi à comprendre les transformations économiques, bien sûr, mais aussi sociales et politiques de notre monde. Vous êtes chercheur associé au NBER, CPR, membre de l'Académie américaine des arts et des sciences et coordinateur du groupe Bellagio, un forum mixte d'universitaires et de responsables économiques. Vos travaux, cher Barry, ont enrichi nos connaissances sur une large palette de sujets dans une démarche qui croise les disciplines, l'économie, bien sûr, mais aussi l'histoire, la science politique et la sociologie, au moins, font partie de votre boîte à outils. Les questions explorées sont diverses, mais toujours majeures. Les flux de capitaux, les taux de change, l'étalon or, le système transnational de régulation économique et financière et ses défis historiques et contemporains, bien sûr. Les crises, les formes de capitalisme, l'impact des pays émergents, notamment la Chine et bien d'autres. Vos contributions se caractérisent par un mélange d'excellence scientifique et de créativité qui explique leur impact singulier, dans le monde académique, mais aussi dans les cercles de la politique économique et financière, diffusion du savoir, on est au cœur du sujet. Nous sommes donc particulièrement heureux d'ajouter aujourd'hui à vos nombreuses distinctions une nouvelle marque d'estime et de reconnaissance. Permettez-moi de terminer en soulignant, chère Marie, trois lignes de force dans votre œuvre qui explique tout particulièrement pourquoi nous souhaitions à l'Institut vous rendre hommage. Tout d'abord, nous nous retrouvons dans la perspective de long terme que vous amenez au débat en combinant histoire et analyse économique. Sans jamais se répéter, l'histoire nous éclaire sur les défis contemporains. Nous nous retrouvons aussi dans cette combinaison d'excellence disciplinaire, l'économie, avec une ouverture réelle et profonde aux autres disciplines, la transdisciplinarité. Enfin, last but not least, puisque c'est le sujet du jour, vous avez ce rare talent de pouvoir transmettre à des auditoires très diversifiés, vos pairs du monde académique, les expertes et les experts responsables économiques, mais aussi à un vaste public beaucoup plus large de non-spécialistes. Pour toutes ces raisons, cher Barry, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous remettre le prix mondial Nessim Habif 2022. Let me very simply say thank you to the University of Geneva, to the Graduate Institute, to my teachers, and least of all to my students.
Cher Mathieu Crétenant, chère Metin Türker, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Genève est une ville profondément marquée par l'humanisme, par la défense des droits humains et par une longue tradition d'asile et d'accueil. Notre université, imprégnée de ses principes et de ses valeurs, a, grâce à son programme Horizon Académique, ouvert ses portes aux réfugiés et réfugiées qui ont dû interrompre leurs études dans leur pays d'origine et a également participé plus largement à leur intégration sociale et professionnelle. Cet ambitieux programme a été lancé en 2016 par l'Université de Genève en partenariat avec le Bureau d'intégration des étrangers du canton de Genève, des fondations privées, de la fêtière des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'université, la CUAE, ainsi qu'avec notre école de langue et de civilisation française et notre maison des langues. Unique en Suisse, ce programme constitue une véritable passerelle de préparation aux études universitaires et permet de valoriser, mais également de renforcer les compétences des réfugiés et réfugiées ayant obtenu un diplôme dans leur pays d'origine. Vous en êtes, cher Mathieu, le responsable au sein de notre université, et vous, cher Metin, vous en avez été, puisque vous êtes un tout jeune retraité, le chargé de projet au sein du Bureau de l'intégration des étrangers du canton de Genève. L'utilité et le rôle tremplin d'Horizon Académique ne sont plus aujourd'hui à démontrer, tout comme son dynamisme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des inscrits et inscrites vont jusqu'au terme du programme, 50% d'entre eux et elles s'immatriculent alors dans une haute école, 35% trouvent un emploi et 15% choisissent une nouvelle orientation professionnelle adaptée. Aujourd'hui, plus de 400 personnes relevant du domaine de l'asile et présentant près de 50 nationalités différentes sont inscrites dans ce programme. L'âge médian des participants et participantes est de 33 ans et 53% de ces personnes sont des femmes. Horizon Académique a notamment pleinement joué son rôle dès le début de la crise ukrainienne en ouvrant dès le mois d'avril ses portes aux détenteurs et détentrices de permis S. Ainsi, pour cette rentrée 2022, le programme accueille près de 100 personnes en provenance d'Ukraine. Mais il est important de mentionner que l'Université de Genève est solidaire de toutes les étudiantes et de tous les étudiants impactés par la guerre en Ukraine, indépendamment de tout critère de nationalité. Et cette valeur est cardinale tant pour le programme que pour notre université. Enfin, au-delà de l'impact concret de cette passerelle sur l'intégration des populations en situation d'asile, il faut ajouter qu'Horizon Académique s'est développé avec une collaboration interinstitutionnelle pleinement, particulièrement efficace et réussie de l'Université de Genève avec la HESSO Genève et l'IHEID, et ainsi qu'avec les institutions en charge de l'asile et de la migration dans le canton de Genève, que sont le Bureau de l'intégration des étrangers, l'Hospice général, l'Office cantonal de la population et des migrations et l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Pour toutes ces raisons, cher Mathieu, cher Metin, l'Université de Genève est fière de décerner sa médaille de l'université au programme Horizon Académique. Au nom de l'équipe du programme Horizon Académique, merci beaucoup. Merci au rectorat, au décanat d'avoir cru dans le projet depuis ses débuts. Merci aux partenaires privés, publics, qui rendent possible le programme Horizon Académique. Merci à la communauté aussi des hautes écoles, aux étudiants, aux employés qui s'engagent à nos côtés. Enfin, bravo aux étudiants, étudiantes du programme Horizon Académique pour leur assiduité, leur résilience. Et merci à l'université pour la confiance. Horizon Académique, c'est un projet collectif. Et merci à vous, merci à eux, à elles. Metin. Puisque c'est la mode en 15 secondes, je voudrais d'abord remercier les réfugiés eux-mêmes
par leurs compétences, par leurs connaissances, par leur implication et par leur résilience dans des moments difficiles, de démontrer qu'ils ont les capacités de poursuivre leurs études et donner leur meilleur dans la société de l'accueil. Je remercie évidemment aussi l'université sans quoi ce projet n'aurait pas existé. C'est un projet, je le rappelle, qui est innovant, qui est unique en Europe, qui est un exemple montré par Confédération actuellement pour qu'elle se reproduise dans tous les cantons en Suisse. Merci beaucoup. Je n'ai personne à appeler, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, cette médaille que vous voyez sur l'écran derrière moi est une représentation de la médaille de l'université. Il s'agit d'une distinction décernée chaque année à une personne ou à une institution pour des services exceptionnels rendus à l'université. Cette année, elle n'est pourtant pas destinée à une personne ou à un groupe bien identifié. Elle vient exprimer notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus au travers de la difficile période de la pandémie. Ce sont des alumni, des collaborateurs et des collaboratrices, des particuliers et des fondations. Cette laudatio leur est donc adressée à toutes et tous. Le 13 mars 2020, la communauté universitaire apprenait avec stupéfaction, par un message du recteur, que l'enseignement passerait intégralement à distance dans le délai d'une semaine, suite au semi-confinement annoncé par le Conseil fédéral. Ce fut un choc pour toutes et tous. Si aujourd'hui tout le monde connaît l'existence d'outils tels que Zoom ou encore que Teams, il en allait tout autrement en mars 2020. Bien peu d'entre nous maîtrisaient alors ces techniques. Bien peu d'entre nous étions familiers des plateformes d'enseignement à distance. En une semaine, nous avons pourtant dû tous et toutes nous équiper, lire d'innombrables tutoriels pour nous familiariser à toute vitesse avec les différents outils qui allaient nous permettre d'enseigner et de suivre des cours. L'expérience pédagogique vécue comme enseignant ou enseignante, comme étudiant ou étudiante, a été déstabilisante. Au-delà du seul aspect pédagogique, ce fut une expérience partagée non seulement par la communauté universitaire, mais par le monde du travail en général et donc par bon nombre d'entre vous. Mais pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, le choc fut double. Au brutal passage à distance de l'enseignement venait s'ajouter la perte de leur job. Et pour 30% d'entre elles et d'entre eux, ça n'était pas juste une cerise sur un gâteau, mais bien leur moyen principal de subsistance. L'épreuve fut rude, il fallut très rapidement trouver un moyen de les aider. Et c'est là que la solidarité a joué un rôle crucial. Solidarité manifestée dans les jours suivants par plusieurs fondations qui nous ont très rapidement permis de mettre en place un dispositif à la fois efficace et pertinent pour venir en aide à une population estudiantine touchée et particulièrement vulnérabilisée et anxieuse. Avec une générosité et une réactivité remarquables, plusieurs fondations se sont engagées à alimenter un fonds d'urgence pour compenser les pertes d'emplois. Le rectorat a ainsi pu soutenir plus de 1 000 étudiantes et étudiants entre mars et juillet 2020. Comme souvent, le premier geste de solidarité en entraîna un autre, et plusieurs autres. Notre communauté étudiante a aussi pu compter sur des dons émanant des alumni, des collaborateurs et des collaboratrices de l'université et des membres de l'université du troisième âge. Cet élan de générosité est venu compléter des aides financières urgentes que l'État a octroyé à deux reprises à l'université. Cet épisode, marquant pour nous toutes et tous, a mis en lumière la générosité du secteur philanthropique, qui s'est exprimé de manière massive, spectaculaire et aiguë dans cette situation. Mais il convient de le souligner, de le préciser, qui soutient aussi toute la communauté universitaire de manière permanente et dans le cadre de toutes ses missions. Ce soutien,
qu'ils soient factuels et ponctuels, comme en mars 2020, ou qu'ils soient liés à des projets de recherche, des projets pédagogiques ou à des bourses étudiantes ordinaires, comportent évidemment une dimension économique importante. Mais ne sous-estimons pas pour autant sa dimension symbolique, qui souligne et renforce l'importance de la création et de la réactualisation des connaissances et du partage de ces connaissances toujours en mouvement. Il souligne la pertinence sociétale de l'université, son inscription dans la cité, et nous encourage à poursuivre notre mission. C'est essentiel dans cette période troublante et troublée qui voit des personnalités, même au plus haut niveau, remettre en cause le rapport au réel et se réfugier dans la négation des faits. Il nous a semblé important d'exprimer non seulement notre immense reconnaissance, bien réelle, mais de marquer l'importance d'une dynamique entre fondations privées et créativité intellectuelle dont les fruits sont destinés à toute la société. Le mardi 5 juillet dernier, il défrait l'actualité de notre institution et bien au-delà de nos murs et de nos frontières. Ce 5 juillet, Hugo Dumesnil-Copin se voit décerner la médaille Fields 2022, une récompense prestigieuse qui témoigne de la qualité de ses travaux en mathématiques. Cher Hugo, c'est une immense fierté pour notre institution de te compter parmi les professeurs de notre université. J'ai le plaisir de te passer la parole sans plus attendre et je t'invite à monter sur scène après la projection d'un petit film qui nous remettra en mémoire des moments chargés d'émotions, partagés d'ailleurs avec Marina Wierzchowska, professeure à l'EPFL, qui a offert à l'Arc Lémanique sa deuxième médaille Fields 2022, ce qui est un résultat, vous en conviendrez, tout à fait exceptionnel. Welcome to the IMU Award Ceremony. The first prize bienvenue à cette cérémonie IMU. Le premier prix est attribué à Hugo Dumesnil-Copin de l'Université de Genève. Se sono distinti in ambito matematico. Hugo Dumesnil-Copin. Hugo Dumesnil-Copin. Le chercheur de 36 ans a été récompensé hier pour ses travaux. La prestigieuse médaille Fields. C'est l'équivalent d'un Nobel de mathématiques. C'est un honneur extraordinaire pour la Suisse romande. Et c'est la quatrième fois qu'un professeur ou un ancien étudiant de l'UNIJ reçoit la prestigieuse médaille. Grâce à lui, notre université brille aujourd'hui au firmament des mathématiques au niveau mondial. Ces travaux ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes sur des sujets tels que l'anticipation de phénomènes climatiques, les instruments médicaux comme les IRM ou même la compréhension de la propagation de certaines maladies. A priori, ça paraît aussi simple, mais quand Hugo Dumesnil-Copin décide d'entrer dans le détail, ça se complique. Ce que je vous promets, c'est qu'il n'y aura pas de formule. Juste aucune formule. Donc normalement, ce sera plus désagréable pour moi que pour vous. Réfléchir avec notre cerveau, c'est une des choses les plus ancrées dans ce qu'est un humain. Mes objectifs de l'époque sont toujours les mêmes, c'est toujours produire encore plus de science et de la meilleure qualité possible. Merci beaucoup. Donc, je suis le mathématicien. Ne vous inquiétez pas de pas être nul non plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un mathématicien, si ce n'est quelqu'un ou une mathématicienne qui a décidé de développer un savoir pour le partager plus tard ? Les mathématiques, on le sait, à bien des égards, sont un laboratoire de partage de pensées, et ce depuis la nuit des temps. Pour illustrer cela, j'ai pensé à un exemple. On tenta pendant 2 millénaires de prouver le 5e postulat d'Euclide. Vous savez, ce postulat sur les parallèles, peu importe si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Il a été énoncé en 300 avant Jésus-Christ. Une multitude de mathématiciens, de physiciens, de philosophes se sont attachés à essayer de le prouver,
de montrer qu'on pouvait l'obtenir à partir des autres postulats. Il fallut attendre le 19e siècle pour se rendre compte qu'il était en fait impossible de le faire. L'impossibilité de prouver l'axiome des parallèles, ça mena à l'introduction des géométries qu'on appelle non-euclidiennes. Ça vient d'Euclide, c'est plus Euclide. Qui, par exemple, joue un rôle prépondérant dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, pour ne mentionner qu'elle. Cette fameuse théorie régit le comportement à grande échelle de notre univers, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, et elle sous-tend également un grand nombre de nos technologies actuelles. Je ne peux échapper à un certain vertige en imaginant le nombre de personnes de sensibilités si diverses, ayant vécu à des époques si différentes, qui ont partagé leur énergie et leurs connaissances en participant à cette fabuleuse quête. Ils sont et resteront pour toujours ce trait d'union qu'on oublie trop souvent entre, par exemple, dans ce cas, Euclide et Einstein. Vous connaissez cette citation classique souvent attribuée à Newton, « Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules des géants ». Les grandes découvertes mathématiques deviennent possibles grâce aux géants qui nous précèdent, mais aussi et surtout grâce aux multitudes de fourmis, ces chercheurs et chercheuses qui resteront à jamais anonymes, qui ont modestement participé au développement de ces questions. Ainsi, les mathématiques représentent l'archétype du développement collectif de la connaissance, non seulement entre personnes d'une même génération, mais également entre personnes de différentes cultures et de différentes époques. C'est le progrès collectif de la connaissance humaine qui permet, irrémédiablement en mathématiques, de résoudre les problèmes. Ce faisant, les mathématiciens lèguent aux générations futures leurs solutions et les conjectures et problèmes ouverts que ces solutions génèrent. À ce titre, je me permets, en tant que mathématicien, de partager avec vous quelque chose de préoccupant. À notre époque d'échange planétaire, où le partage d'informations est quasi instantané, il est tentant de penser que les connaissances sont de plus en plus disponibles. Cependant, l'espace informationnel se cloisonne, on le sait trop bien, et se fragmente de plus en plus. Il est regrettable que la connaissance tombe trop systématiquement dans les mains de sociétés privées, de maisons d'édition ou d'entreprises monopoliques. Ou pire, que cette connaissance soit pervertie, par exemple à travers les réseaux sociaux. Quelle tristesse pour le scientifique que je suis de voir que l'un des plus grands succès de ces dernières années en science, le développement d'un vaccin en moins d'un an, a été accueilli au mieux avec défiance, au pire avec hostilité dans notre société. Le monde universitaire est en première ligne face aux dangers que peuvent représenter les intérêts politiques, économiques et parfois même personnels, tentant de réguler, de s'accaparer ou de travestir la connaissance humaine. C'est pour cela qu'il est crucial que l'université favorise l'interaction entre collègues de tous horizons, la transmission aux plus jeunes, quelles que soient leurs conditions, qu'elle donne sa place à ces fourmis ouvrières que nous sommes, qui faisons avancer un petit peu la science et la connaissance en général, et qu'elle garantisse la pérennité des découvertes afin qu'elles soient toujours disponibles dans l'avenir, ce fameux problème de l'open access. Ces découvertes sont non seulement le bien commun de l'ensemble des hommes et femmes peuplant notre planète aujourd'hui, c'est aussi celui de nos enfants et celui des générations futures. Je vous remercie pour votre attention. Dans une démocratie, le plus grand nombre est heureusement convaincu que la raison, le savoir, la nuance sont des moyens essentiels de comprendre le monde et de lutter contre l'obscurantisme et le complotisme. Les images sont partout sur nos mobiles, elles sont sur nos écrans, elles sont à la télévision. Elles sont partout et on a parfois du mal à se rendre compte que nous vivons dedans, que nous devenons même parfois des images. Donc, désolé Albert, le monde n'est pas une gigantesque horloge. Il y a possibilité d'avoir des événements au hasard, à distance, qui sont parfaitement corrélés. James Webb, le nouveau télescope spatial de la NASA, a pu détecter du CO2 autour d'une exoplanète. Des scientifiques de l'Université de Genève ont participé à cette découverte.
Les mutations sont constantes dans le génome animal ou humain, même si elles ne sont pas toujours visibles, ce qui nous rend tous un peu monstrueux. Ces munitions immergées contaminent l'eau et les sédiments. C'est le résultat d'une étude préliminaire de l'Université de Genève. Les munitions sont restées longtemps dans l'ombre. Ces plongeurs lanceurs d'alerte espèrent qu'elles n'y resteront pas. Toucher, observer, expérimenter les sciences COP de l'Université de Genève fait peau neuve. Et il pourrait bien faire naître des vocations scientifiques chez les plus jeunes. C'était à la rentrée universitaire d'octobre 1872. Ce 150e anniversaire, c'est donc l'occasion de s'interroger d'un peu plus près sur les inégalités persistantes. On parle dans le bouddhisme de l'union des apparences et de la vacuité d'existence propre. C'est une vision, disons, plus dynamique de la réalité. La musique, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on entend, mais qu'on sent aussi dans son corps. Quelques mois, Fariba Adelkha nous lançait cet appel du fond de sa cellule. Il faut sauver les chercheurs, sauver la recherche pour sauver l'histoire. Entendons-la, soutenons-la, c'est le privilège et l'honneur des institutions académiques de porter ce message. It's a war of the weaker country, c'est une guerre d'un pays faible qui est attaqué par un pays fort. Ce point de vue central est essentiel. Exige-nous que l'on soutienne le plus faible, dans ce cas précis, l'Ukraine. Sans mais, sans si. Rien ne sera plus comme avant. On doit reconstruire une architecture de sécurité en Europe. Il y aura plein de discussions sur, par exemple, l'autonomie sécuritaire de l'Union européenne. Un des problèmes entre l'économie et la politique, c'est la différence de temporalité. L'économie qu'on a aujourd'hui, elle a été créée par les décisions prises il y a 20 ou 30 ans et on bénéficie d'excellentes conditions cadres. Maintenant, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles auront un impact sur les 20 à 30 prochaines années. Par exemple, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Suisse se mettent d'accord sur un niveau d'ambition. Être sûr que l'un ne va pas faire plus que l'autre ou chacun va prendre au moins sa part de l'effort, c'est important, c'est une question de confiance mutuelle. En l'absence d'héritier masculin, eh bien c'est la première fille de la famille qui prend le rôle. Donc pour les Égyptiens, une femme qui monte sur le trône, et c'est vrai, ils sont vraiment en avance sur la plupart des peuples de l'Antiquité, ça ne pose en soi aucun problème. Il ne faut jamais que nous renoncions à interpréter le monde, ni à le transformer. Cher professeur Carico, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Actuellement, vice-président senior de BioNTech RNA Pharmaceuticals en Allemagne, vous êtes une pionnière de la recherche sur les ARN messagers. Après l'obtention de votre doctorat en biochimie à l'université de Szeged, en Hongrie, en 1982,
Vous avez mené des recherches sur l'ARN oligo-adénylé, un puissant déclencheur de la voie immunitaire innée et de l'inflammation. Mais c'est après avoir rejoint la Temple University à Philadelphie et puis la University of Pennsylvania, Penn, que vous avez entamé des travaux révolutionnaires sur l'utilisation de l'ARN messager comme agent thérapeutique en médecine humaine. En 1999, vous tentiez pour la première fois d'introduire ces ARN messagers synthétisés in vitro dans des cellules de mammifères. Avec le docteur Drew Weissman, vous avez continué à explorer l'utilisation des ARN messagers produits in vitro, soit en quête d'un vaccin contre le VIH, soit comme outil thérapeutique pour examiner des protéines fonctionnelles dans les cellules. Une voie parfois pavée d'obstacles, je dois le dire, mais qui ne vous ont jamais, jamais découragé. C'est alors qu'avec votre confrère, vous avez décidé de lancer des recherches pour comprendre comment les ARN produits dans nos propres cellules diffèrent de ceux fabriqués en éprouvette. Celles-ci ont abouti en 2005 à une découverte historique. Les modifications chimiques des nucléotides qui composent nos ARN constituent un masque qui les protège du système immunitaire inné. Votre idée fut alors d'utiliser des uridines modifiées pour la synthèse des ARN thérapeutiques et vous avez pu démontrer leur capacité à échapper au système immunitaire. Armé de cette astuce biochimique, vous avez déménagé à Mayence, à BioNTech, en 2013 pour développer des ARN messagers, toujours modifiés comme outil pour le développement de vaccins de thérapie. Cette innovation a notamment conduit à l'expression d'anticorps pour le traitement du cancer chez la souris et puis le développement d'un vaccin à dose unique contre le virus Zika chez le singe. Mais l'apogée de votre succès que nous connaissons tous est sans doute la découverte brevetée que les nucléotides modifiés de l'ARN ne sont pas immunogènes. Et grâce à ce résultat qui était essentiel, on a pu développer des vaccins ARN messagers contre le SARS-CoV-2 par BioNTech et Moderna en 2020, dont la moitié de la population mondiale a bénéficié. Au cours de votre carrière universitaire, vous avez dû relever des défis apparemment insurmontables pour obtenir des financements pour vos recherches. Vous vous êtes heurté à la difficulté récurrente des institutions de financement, celle de reconnaître les projets précurseurs à temps. Nous saluons ici votre courage, votre persévérance, votre force de conviction, mais aussi votre humilité et votre capacité à accompagner les jeunes générations. Pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est aujourd'hui particulièrement fière, chère Cataline, de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Merci beaucoup. Je suis très touchée par cette distinction. Je ne parle pas bien le français et même l'allemand après 9 ans. Je vais donc me borner à vous souhaiter une année universitaire très réussie à tous les professeurs, à tous les étudiants, à toute la communauté universitaire de Genève. Merci. Chère professeure Suzanne Gasser, je vous prie de me rejoindre sur scène. Professeure Gasser, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Biologiste, spécialiste de l'épigénétique, vous avez exploré au cours des 40 dernières années les mécanismes qui régulent et influencent la transmission des informations génétiques pour donner naissance à l'infinie complexité du vivant. Vos travaux ont aussi fait évoluer les outils de la recherche en optimisant la visualisation en temps réel du cycle cellulaire. Même si vous n'êtes pas originaire de notre cité, vos liens avec Genève sont nombreux. Comme chercheuse postgraduée d'abord, puis comme professeure à la Faculté des sciences et ensuite, et enfin, comme directrice de l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer, l'ISREC, à Lausanne,
qui soutient activement l'Université de Genève au travers notamment du financement de deux chaires professorales à la faculté de médecine. Vous travaillez aussi à une initiative régionale visant à renforcer les liens entre les institutions lémaniques pour accélérer la traduction des découvertes de la recherche en progrès concrets pour le traitement des malades souffrant du cancer. Formée aux États-Unis à Bâle, votre carrière vous amènera à travailler au sein des plus grandes institutions académiques de notre pays. En outre, vos années passées à Genève, vous avez été pendant près de 15 ans responsable d'un groupe de recherche à l'ISREC et dirigé l'Institut Friedrich Miescher à Bâle. Vous êtes également membre du Conseil des EPF, membre du Conseil suisse de la science, et à ce titre, vous participez à l'élaboration des stratégies fédérales en matière de science et de technologie. Au fait de votre carrière, vous n'avez pas oublié les jeunes chercheuses pour qui vous faites figure d'exemple. Vous avez ainsi activement promu les carrières des femmes dans la science en initiant le programme PRIMA du Fonds national de la recherche scientifique qui vise à faire avancer l'égalité des chances dans les carrières académiques. De plus, le prix international Women in Science Award récompense non seulement vos travaux remarquables, mais également votre soutien aux jeunes talents qui vous succéderont. Membre de l'Académie suisse des sciences médicales, votre très grande valeur scientifique a largement dépassé les frontières helvétiques. Vous êtes ainsi membre de l'Académie des sciences françaises, de l'Organisation européenne de biologie moléculaire, de même que l'Académie américaine des sciences. Parmi de multiples reconnaissances, vous avez été lauréate du prix Latsis, du prix Otto Negli pour la recherche médicale et du prix international attribué par l'INSERM. Chercheuse d'exception, mentor, modèle, vous incarnez une vision humaniste et rassembleuse des sciences de la vie. Pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est fière de vous décerner aujourd'hui le titre de docteur honoris causa. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup à toute l'Université de Genève et surtout la faculté de médecine. Bon, à Genève, j'ai passé des années, comme c'était mentionné, et puis j'ai appris à rêver grand et à travailler avec rigueur, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de recherche biomédicale. Voilà, j'aimerais juste remercier tout le monde qui m'a soutenu pendant des longues années et puis de remercier encore l'Université de Genève. Cher professeur Suzanne Goldin-Mido, je vous prie de me rejoindre sur scène. Professeur de psychologie et de développement humain comparé à l'Université de Chicago, vous êtes une pionnière dans l'étude du rôle des gestes dans la cognition et la communication. Les résultats de vos nombreux travaux montrent que les gestes produits en parlant ne reflète pas uniquement les pensées, mais qu'il les façonne. Vous étudiez le rôle de ces gestes, aussi bien chez les enfants et adultes typiques que chez les enfants sourds ou les personnes aveugles. Parmi vos nombreuses découvertes, vos études démontrent que les gestes changent à la fois la qualité de l'enseignement et la compréhension de l'algèbre chez les plus jeunes. Vos travaux ont une portée théorique importante. En étudiant les enfants nés sourds dans des communautés entendantes, vous mettez en lumière que certains aspects du langage sont à ce point fondamentaux qu'ils se retrouvent même dans le système de communication d'enfants qui ont grandi sans adultes
qui leur parle en tant qu'émanation du cerveau. Vous dites de voir votre carrière de psychologue au séjour passé dans les années 1970 dans le laboratoire du professeur Jean Piaget à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de notre université. Vous étiez alors une jeune étudiante en bachelor du Smith College en année de césure à l'étranger. Les cours de Piaget ont été pour vous une révélation. Piaget avait un sens brillant de l'observation, disiez-vous. Et pourtant, le fait de pouvoir bénéficier de cette année au sein de notre université n'était pas gagné pour vous. En effet, vous arriviez à Genève, ne parlant pas un mot de français, au point d'ailleurs de vous tromper de salle lors de vos premiers cours et d'assister pendant une dizaine de minutes à un cours de chimie, tout en croyant écouter Jean Piaget lui-même. Vous confiez avoir été fasciné par les cours de Piaget. Vous appréciez la manière imagée, riche en expressions, avec laquelle il décrivait ses observations du développement de l'enfant. Ces descriptions n'ont de cesse de nourrir votre propre créativité scientifique. En effet, vous intégrerez ces observations initiales sur le rôle du corps, du geste, des mains, dans la communication avec les meilleures théories du langage. Vous avez ouvert ainsi un large champ de recherche pour les générations à venir, allant des bases communes de la communication avec nos ancêtres, primates, aux méthodes les plus adaptées pour enseigner les mathématiques. Vos travaux sont importants, tant pour la communauté académique que pour notre société. Ils retracent une histoire des sciences à travers les enseignements de Piaget, de la professeure Mimi Sinclair et de la recherche à la FAPC. C'est pour toutes ces raisons que l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner, chère Suzanne Goldin-Midot, le titre de docteur honoris causa. J'ai commencé ma carrière à Genève, à l'Institut des sciences de l'éducation, en suivant des cours de M. Piaget. Ce prix est donc un retour à mes débuts. Je vous remercie à la fois pour cet honneur et pour mes débuts en psychologie. J'invite la professeure Ananya Roy à me rejoindre sur scène. Cher professeur Roy, chère Ananya, en 2017, alors que Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis, vous prenez courageusement position en appelant vos collègues universitaires à s'engager et à résister dans leurs recherches comme dans leurs pratiques, pour ne pas être complices d'un gouvernement que vous qualifiez de raciste et qui conçoit les villes comme des machines à profit. Cet appel est à l'image de votre parcours académique. En tant que professeur d'urbanisme, de bien-être social et de géographie à UCLA, Los Angeles, vous vous battez pour des villes plus égalitaires et démocratiques. Vous êtes aujourd'hui titulaire et première directrice de la chaire Meyer et René Loskin sur l'inégalité et la démocratie à UCLA. Vos premiers travaux portaient sur les questions de genre et de pauvreté dans les bidonvilles indiens, en particulier à Calcutta, où vous êtes né. En étudiant les politiques de développement et de microcrédit, vous avez renouvelé les analyses sur la pauvreté et l'informalité urbaine en vous opposant aux idéologies libérales qui prônent l'entrepreneuriat et l'individualisme pour sortir de la pauvreté. Vos travaux ont mis en lumière les effets des politiques urbaines capitalistes qui évincent les pauvres des villes.
Vous avez montré combien les villes asiatiques se transformaient pour devenir des world class cities, c'est-à-dire des villes modernes et rentables répondant aux politiques néolibérales. Vos travaux ont été pionniers et fondateurs pour les études urbaines et les sciences sociales. En vous inspirant des études postcoloniales et féministes, vous avez ouvert ce que vous nommez de nouvelles géographies de la théorie. Vous appelez à décentrer le regard, à penser les villes depuis les suds, et donc à renouveler les théories urbaines qui étaient jusqu'alors uniquement fondées sur des cas occidentaux. Votre engagement est également très fort sur le plan pédagogique. Vous avez créé le cours Global Poverty, suivi chaque année par plus de 700 étudiantes et étudiants à UCLA et largement diffusé en ligne. Je peux vous assurer que certaines et certains de nos étudiants et étudiantes le suivent également avec grand intérêt. Pour avoir permis de porter un nouveau regard sur les villes, depuis le sud global, pour votre lutte contre la pauvreté urbaine, pour votre engagement critique au sein du monde académique et au-delà, contre le racisme et toutes les formes de discrimination ordinaire, vous méritez notre gratitude. L'Université de Genève, marquée par ses valeurs humanistes, se reconnaît pleinement dans votre souci de penser et agir dans un monde inégal pour tenter de le rendre meilleur. C'est donc avec fierté qu'elle vous décerne aujourd'hui sa reconnaissance la plus prestigieuse, à savoir le titre de docteur honoris causa. C'est un honneur incroyable pour moi. Merci beaucoup. Je voudrais remercier surtout la Faculté des sciences sociales pour leur reconnaissance de mes travaux. Et dans un esprit de réciprocité et de partage des savoirs, j'espère pouvoir créer des collaborations entre l'Université de Genève et mon université, l'Université de Californie à Los Angeles. Merci. Il ne vous aura pas échappé, mais permettez-moi cette faiblesse de mentionner effectivement que nous avons délivré cette année 4 DHC à 4 femmes. J'ai l'immense plaisir de donner maintenant la parole à notre invitée d'honneur, Madame Barbara Hendricks, cantatrice et ambassadrice honoraire à vie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il n'est pas nécessaire, madame, de rappeler votre carrière artistique qui a fait votre renommée mondiale et qui a été à maintes reprises honorée. Ce qui est peut-être un peu moins connu du grand public, c'est votre double licence en mathématiques et en chimie, obtenue à l'Université de Nebraska. Derrière votre voix, madame Hendricks, s'élève un engagement en faveur des droits humains à nul autre pareil, une voix qui est plus que jamais indispensable d'entendre et de soutenir. Vous fondez en 1998 votre fondation Barbara Hendricks pour la paix et la réconciliation afin de personnaliser votre lutte pour la prévention des conflits dans le monde, faciliter la réconciliation et encourager la paix. Madame Hendricks, c'est un immense privilège pour moi de vous accueillir à l'Université de Genève et je vous prie de me rejoindre sur scène pour votre allocution tout d'abord et ensuite un chant qui réjouira tout l'auditoire. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en a un peu de technique qui va se mettre en place avant que je commence. On va les laisser faire. En tout cas, je suis ravie d'être ici. Tout le long, c'était vraiment très émouvant de voir
les gens qui ont la générosité de partager avec les autres, qui me donnent un énorme espoir. Des fois, on peut, en regardant, écoutant la radio et regardant la télévision, on peut penser qu'il n'y a pas d'espoir. Mais vraiment, tous les lauréats et tous les discours que j'ai entendus aujourd'hui me disent que ce n'est pas vrai. Et voilà s'il a... Voilà, je crois. Voilà. Monsieur le recteur, mesdames les lauréates, messieurs les lauréats, chers invités, c'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Lorsque vous m'avez invité, je me suis demandé en quoi je pourrais contribuer à cette journée. C'est votre remarque, monsieur le recteur, que vous vouliez une journée empreinte des valeurs fondamentales qui sont pour l'université l'humanisme, l'excellence scientifique et l'esprit international, qui m'a aidé à entrevoir une possible contribution. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille de pasteur, née dans une famille noire, pas pauvre, mais sans argent, au sud des États-Unis. C'est évidemment un pléonasme, né en 1948 à Stevens, Arkansas, et qui se trouve aujourd'hui ici, à Genève, devant un parterre d'éminents universitaires et médaillés. Histoire incroyable, et cela grâce à l'éducation, à l'enseignement des savoirs et à la transmission des valeurs. J'ai eu en effet la chance inestimable d'avoir depuis ma plus jeune enfance et à des moments décisifs de ma vie, à côté de moi, des personnes qui m'ont guidée et ont partagé avec moi leur savoir. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis devenue. La première était ma maman, fille aînée de 16 enfants, femme de pasteur, mère de 5 enfants et institutrice dans les écoles rurales et ségrégées de l'État de Arkansas. Elle a pu commencer à enseigner après avoir terminé ses études au lycée. Mais elle était si déterminée de faire ses études universitaires qu'elle a mené ses études par correspondance, en étudiant tous les soirs après son travail, pendant plus que 15 ans. Sa persévérance a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'ai commencé l'école dans sa classe à l'âge de 5 ans. Je savais déjà lire, écrire et compter, parce que je l'avais harcelée pour qu'elle m'apprenne depuis que j'avais 3 ans. J'étais impatiente de savoir, de comprendre les complexités de la vie. Je croyais que les adultes savaient tout et qu'ils avaient les réponses aux questions de la vie parce qu'ils savaient lire et écrire. Les savoirs étaient la clé qui allait ouvrir les portes de mon avenir. Comme j'ai semé la zizanie dans sa classe, ma mère m'a exfiltrée. Après le Noël de ma première année scolaire, j'ai commencé en deuxième année avec une autre maîtresse. J'avais juste 20 jours, le 10 décembre 1948, quand l'Assemblée générale des Nations unies a ratifié la Déclaration universelle des droits humains. Mes parents n'avaient pas entendu parler de cette déclaration, ni de son premier article qui commence « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et droit ». Mais ils connaissaient très bien les lois de la ségrégation des races, les lois Jim Crow, qui ont fondé l'apartheid aux États-Unis et ont inspiré celui de l'Afrique du Sud. Ces lois étaient en vigueur partout, dans les écoles, les bus, les trains, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants. Il y avait même des fontaines à eau réservées aux « white only ». Ma mère était ma première enseignante,
mais elle a été suivie par d'autres, des profs de maths, de sciences, de littérature et bien sûr de musique. Dans ces écoles, soi-disant séparées mais égales, ils avaient la vocation et la passion de nous transmettre non seulement leur savoir, mais aussi une vision d'un futur meilleur. Leur dévouement et leur créativité ont compensé toutes les choses qui nous manquaient. Quand les écoliers blancs recevaient leurs nouvelles éditions de livres, nous recevions les leurs, usés et sales. Même les pitoyables équipements de nos laboratoires de sciences et nos terrains de sport nous montraient que nous étions des citoyens de deuxième classe. Mais c'était le but. Mais un des rares endroits à l'abri de lois de la ségrégation était la bibliothèque publique. J'ai pu y passer des heures en compagnie des vies et des histoires des autres. Ainsi s'ouvraient à moi, au travers des murs de la bibliothèque, des horizons lointains. Certes, les livres ne parlaient jamais de la vie d'une petite fille noire grandissant dans un régime injuste, mais les émotions et l'espoir que j'y trouvais n'avaient ni race ni patrie. Ils ne m'étaient pas interdits, car ils appartenaient à l'humanité. Mes rêves ne s'arrêtaient pas à une frontière quelconque, mais pouvaient monter à l'infini comme un oiseau libre qui chante. Même si j'étais trop jeune pour y participer, j'ai grandi avec la lutte pour les droits civiques des années 50 et 60, menée par Martin Luther King et inspirée et soutenue par tant de femmes courageuses comme Rosa Parks, Dorothy Height, Fannie Lou Hamer, Diane Nash et Daisy Bates. Daisy Bates a mené son combat pour la déségrégation des écoles de l'État en accompagnant les Little Rock Nine. Ces 9 étudiants qui étaient refusés pour une deuxième fois le 4 septembre 1957 à l'entrée de la Central High School par une foule haineuse et menaçante. J'ai regardé avec mes parents chez les voisins le journal télévisé ce soir-là. Et à 8 ans, j'ai compris qu'à travers ce combat se jouait aussi mon destin. Je suis née comme une réfugiée, plutôt une apatride dans mon propre pays. Je ne bénéficiais ni de la même protection devant la loi, ni des mêmes droits que n'importe quel enfant blanc né le même jour au même endroit. Mais avec l'adoption des lois de Civil Rights en 64 et 65, après 300 ans d'esclavage et 100 ans d'apartheid, je suis devenue une citoyenne à part entière. Tous mes droits ont été reconnus, ou plutôt, ils m'ont été rendus. Et j'ai accédé aux devoirs et responsabilités d'une citoyenne. En un mot, je suis devenue libre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire tout mon possible pour promouvoir et défendre les droits humains pour tous, partout et toujours. À l'âge de 20 ans, j'ai obtenu mon diplôme de mathématiques et de chimie, mais depuis le moment où j'ai pu chanter, toute petite dans l'église de mon père, la musique dans toute sa diversité était mon compagnon constant. Cela explique pourquoi, en 1968, j'ai sauté dans le vide en décidant de suivre un destin inconnu et d'aller à New York pour faire les études de musique à la Juilliard School. Ma seule professeure de chant, Jenny Turrell, m'y attendait. Elle était une réfugiée de la Seconde Guerre mondiale et elle reste pour moi la personnification de l'artiste, celle qui est constamment au service de son art. Elle m'a initiée à la tradition du chant et me faisant partager la passion de l'opéra, de la musique de chambre et du récital. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands chefs d'orchestre comme Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini et Leonard Bernstein. Ils n'ont pas seulement partagé leur savoir avec moi, mais m'ont aussi encouragé à avoir confiance en ma propre voie artistique.
Au cours des 35 années où j'ai eu le privilège de promouvoir les droits humains en soutenant la cause des réfugiés, je me suis beaucoup inspirée de mes collègues dévoués de HCR. Ils consacrent leur vie tous les jours sur le terrain à cette noble cause, et certains y ont même perdu la vie. Les réfugiés que j'ai rencontrés partout dans le monde me font rester humble. Le courage et la dignité des femmes qui, avec leurs enfants, représentent plus de 80% de tous les réfugiés, me soutiennent quand je me sens le plus découragée. Les familles qui ont été forcées de fuir sont parmi les plus marginalisées et vulnérables d'entre nous. Toutes les crises, les conflits, l'inflation, les urgences climatiques et les pandémies qui nous frappent, les frappent encore plus fort. Ils attendent avec impatience que leurs enfants puissent retourner à l'école, que leur vie revienne à la normale. L'éducation est un droit fondamental. L'éducation protège les enfants et les jeunes réfugiés du recrutement par des forces armées, du travail forcé, d'exploitation sexuelle et de mariage précoce. Elle transmet les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre une vie productive, épanouissante et indépendante. J'aimerais féliciter le programme Horizon Académique qui permet d'accueillir les réfugiés afin de leur donner la possibilité de reprendre leurs études. L'avenir est dans les mains de nos enfants, les enfants réfugiés inclus. Quand je regarde les enfants réfugiés, c'est difficile de ne pas voir les visages de mes propres enfants et petits-enfants. La lumière que je vois dans leurs yeux quand ils rient me donne l'espoir pour l'avenir et m'aide à continuer de lutter. Nous allons faire maintenant notre medley pour les enfants réfugiés. C'est composé de Summertime de George Gershwin, le spiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child, et contient des extraits du poème Home de la poétesse britannico-somalienne Varsan Shire. Et je peux juste dire que, comme j'ai petit budget, c'est mon mari qui joue la guitare parce que j'ai besoin juste de faire un bon repas. Off Anglo. Personne ne quitte sa maison
à moins que sa maison ne devienne la gueule d'un requin. Personne ne quitte sa maison à moins d'être chassé du feu sur les pieds, du sang bouillonnant dans le ventre. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé faire jusqu'à sentir les menaces brûlantes de la lame contre le cou. Il faut que tu comprennes que personne ne force ses enfants dans un bateau à moins que la mer lui semble plus sûre que la terre. Personne ne choisit les camps de réfugiés, ni les fouilles à nu qui laissent tout ton corps brisé. Personne ne choisit la prison, parce que la prison est plus sûre qu'une ville en feu et qu'un seul garde la nuit. C'est mieux que tout un camion de type qui ressemble à ton père. Comment les mots, les regards haineux te glissent dessus? Peut-être parce que le cou est plus doux qu'un membre arraché. Les insultes plus faciles à avaler que ton corps d'enfant mis en pièces. Je veux rentrer chez moi, mais là-bas, c'est la gueule d'un requin. Là-bas, c'est le canon d'un fusil. Et personne ne quitte chez soi, à moins d'en être chassé jusqu'au rivage, à moins que ta propre maison te dise « Cours plus vite, laisse tout derrière toi. » Rampe dans le désert, patauge dans les océans, noie-toi, sauve-toi. Meurs de faim, mendie. Oublie ta fierté, ta survie est la chose la plus importante. Personne ne quitte sa patrie jusqu'à sentir chuchoter grassement à ton oreille. Pars, fuis-moi maintenant. Je ne sais pourquoi, et je ne sais pourquoi, mais n'importe où est plus sûr qu'ici. Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. One of these moments.
J'adresse mes remerciements les plus chaleureux à Madame Barbara Hendricks qui a illuminé littéralement notre dièse par sa voix et ses paroles fortes et inspirantes. Bravo. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision et vos savoirs, un partage qui s'inscrivait parfaitement dans le thème de notre dièse. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Vous l'avez compris, une cérémonie un tout petit peu particulière pour moi et mon équipe. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence si nombreuse ce jour et si chaleureuse. J'aimerais en particulier adresser mes remerciements et ma reconnaissance à nos autorités, représentées ce matin par deux conseillères d'État, qui nous soutiennent dans nos démarches, un soutien qui sera plus que jamais indispensable pour faire face aux multiples défis qui nous attendent. Je souhaiterais enfin remercier très sincèrement chacune et chacun de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que l'ensemble de nos étudiantes et de nos étudiants, qui font de notre université un lieu si spécial, une université qui est un emblème du partage des savoirs, une université qui est un espace ouvert au dialogue et à l'interaction, un phare dans notre cité pour notre canton et pour notre pays. Merci beaucoup.